Voilà, me revoilà pour la deuxième partie. Là maintenant, je suis parti. Mais comme dit Sherlock. Je prends une locomotive sur les gros hommes de tête. J'aurais pris plus de 3 minutes, il me semble, depuis le début. Depuis le début de la montée, j'aurais pris 3 minutes. Si je pourrais avoir les points de l'arrivée, c'est une arrivée au sommet. Je pourrais prendre les points de l'arrivée et c'est à du col de catégorie, ça me ferait 45 points. Donc au total, à peu près, j'aurais près 70 points. Pour le meilleur point, donc ça serait bien. Mais 11 km du sommet. Je reviens. Donc si ça pourrait rester comme ça, ce serait cool. Je suis à 44 secondes, donc maintenant bientôt il y aura Cadet les 24 sa folie. Et Franck Chex sont toujours dans le groupe, donc c'est bon pour la fin. On arrive à peu près à la moitié du col. Oui, je me souviens plus du col, comment ça s'appelle, je l'avais dit au début de la première partie, je l'avais dit. Ah oui, voilà, le Grand Colombier, donc le Grand Colombier, col hors catégorie. C'est là-bas derrière, comme vous pouvez voir, c'est juste. Donc ça va, je me fatigue pas trop. Donc là, le petit cœur, là, il est gris, je suis à 166. Donc là, je ne crève pas trop. Voilà. Je sais pas, mais je... Arrive au sommet, je pense être quand même tout près des... de tête, je dis. Ça, c'est bien. Peut-être encore le moins de rester dans le groupe. Il reste tranquille. Voilà. Ben, c'est bien, ma barre jaune a arrêté de descendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas mal ce que fait Andy. Donc on va pas attendre pour l'abricot. Un abricot. Ah, un attaquant. Non, je vais attendre. Voilà. Et quel va être faire. Putain, de la sexité. Hein. Voilà, c'est 50 secondes, mon temps. Alors moi je suis à peu près en même jeune virtuelle. Cadet va s'exciter les rues, je suis sûr.
Il a placé une attaque juste pour revenir. Il est en train de perdre le maillot jaune s'il continue comme ça. Avant que les rênes gagnent. Qui s'échappe. Ejdan Nibali. Funigo. Attends, ça se passe là. Donc voilà, je suis un jeu virtuel. Maintenant, Calévan va s'exciter. Donc là, pour l'instant, c'est tout au coup. Dan Ray, Wiggins, c'est bien. Voilà, où est-ce qu'ils sont placés de toute façon? Voilà. Donc, Wiggins à 32 secondes. Voilà, 1 minute 4. Je l'ai donné. Je vais attendre à peu près les 5 derniers frames pour prendre mon avant-go. Peut-être qu'on fait Kazar et Rogondi au poteau pour les points. J'espère juste ne pas perdre. Oui, une minute. C'est tout ce que je demande. Pour l'instant, je me fatigue plus, donc c'est bien, c'est cool. À 1 minute 6, ça va être à 1 minute 6. Ça pourrait comme ça, rester comme ça pour ma vie, ça serait bien. Mais Evan va s'exciter. L'écart critique va grandir entre Evan et moi. J'ai pas vu, je suis à combien. Oh, bientôt, on va les rattraper. C'est le premier groupe avec les rattraper, donc ça va être bien. On va voir s'ils vont pouvoir me suivre. Ça sent bon les points, je pense. Ça sent bon les points. Pour le maillot à poids. Non, je passe. Je peux pas ça. Je sais pas combien de kilomètres il reste avant le sommet, je n'en sais rien. 44 secondes. Evan Slack est en train de se planter. Evan Slack est en train de planter Evan. Allez, 5 derniers kilomètres, je pense, ouais, en une vidéo, je pense, pour les caser. Mais que l'aine a été larguée. Alors voilà, à nouveau là, je me fatigue pas. Donc peut-être ils seront à moi, c'est ma 6 points. Je peux essayer de prendre. Là, je vais le prendre à la descente. Ça sera plus simple. Là, je suis juste à 12 secondes. Donc, on va voir si je les rattrape pour assez moi suivre mon rythme. Là, je fais un bordel dans le groupe Evans. Il ira Schleck. Enfin, Franck Schleck. Je vais suivre le rythme pour pas qu'il se fatigue. J'ai envie de le préserver pour la fin. Voilà, eux aussi j'ai appris ceux qui sont un peu bien entamés.
Je l'ai passé sans grande difficulté. Mais oui, ça accroche. J'ai l'impression qu'il est en train de... bien sprinter. Si seulement je pourrais arriver au sommet, avant qu'il me rattrape, ça serait bien. Je vais mettre un petit coup comme ça. Ah, donc, il est sans lâcher. C'est ma bonne qu'on me dit qu'il arrive à me suivre. Et encore, avec beaucoup de mal. Là-bas, en bas, on y voit. Il vient de passer. Normalement, à 10 km de sommet, les points, ils sont à moi. Et j'ai un problème du temps sur le groupe RN. Alors, au sommet, je vais couper. On va se retrouver dans la montée, enfin, dans la deuxième colle. Donc là, je fais une deuxième partie. À tout de suite.